Tout de suite, le débat avec nos invités, les députés. L'Union européenne a décidé de reporter le vote sur le glyphosate, cet herbicide cancérogène. Delphine Bateau a alerté sur les autorisations du glyphosate, notamment, et des néonicotinoïdes lors de ses questions au gouvernement. La députée a interpellé le ministre de la Transition écologique. Écoutez sa réponse. On est sorti de cette idée que l'on réautorisait sans autre stratégie. Nous sommes maintenant dans une stratégie de fermeté, de rationalité, pour, d'une manière progressive mais déterminée, organiser la sortie de l'utilisation des pesticides. Ce lien de causalité entre ces pratiques et la santé n'est plus à démontrer. Nous sommes dans un cas d'école du principe de précaution. Nous n'en faisons pas régulièrement l'usage. Et je pense que la France se grandirait, comme elle commence à le faire, à faire en sorte que l'Europe prenne véritablement ce sujet avec un seul objectif, sortir de l'ensemble des substances, parce que quand vous en interdisez trois, il y en a deux qui rentrent. Donc oui, c'est important d'interdire des substances, mais plus important, c'est de changer les pratiques, changer les comportements et mettre tout en œuvre pour aider les agriculteurs à se saisir d'alternatives que notamment l'INRA possède déjà. Paco Rupin, la France sera-t-elle ferme? Doit-elle être ferme sur ces sujets, ces interdictions de produits dangereux pour la santé? C'est un sujet extrêmement complexe parce que c'est quand même un produit qui existe depuis 40 ans, qui est utilisé par nos agriculteurs depuis 40 ans et évidemment qui a aussi permis l'avènement d'une agriculture très productiviste et donc d'un modèle qui est en train de s'essouffler. Notamment parce que, en effet, nous voyons avec aujourd'hui l'urgence d'avoir dans tous les domaines une politique écologiste, une politique qui permet de, en même temps, respecter la nature et l'homme. Eh bien, il faut que nous puissions transformer cette agriculture. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, il faut que ce temps de transition se fasse le plus rapidement possible. Donc oui, nous devons être fermes. Nous devons être fermes parce que nous n'avons plus le temps d'attendre. Parce que le réchauffement climatique a déjà des impacts, même si on n'est pas dans ce cadre-là. Et qu'en termes de santé publique, il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Je pense qu'une grande partie de la population est prête. Une partie de nos agriculteurs est encore à convaincre. Ils sont à convaincre parce qu'ils attendent aussi des solutions. Et donc ces solutions, il faut qu'on puisse les amener et qu'on puisse les accompagner. Voilà, on est en tout cas dans un tournant aujourd'hui de notre modèle agricole. Arnaud Viala, est-on justement à ce tournant des pratiques agricoles, comme le dit Paco Rupin? Faut-il accompagner ces agriculteurs pour des changements de pratiques, pour une meilleure prise en compte de la santé publique aujourd'hui? Moi, je voudrais commencer par dire que la profession agricole, le monde agricole est très conscient des enjeux de ce que vous appelez un tournant, mais qui est en fait une modification des pratiques, de l'utilisation de certains produits, etc. Et qu'ils n'ont pas attendu le monde politique ce sont les premières pour victimes. Prendre cette conscience, parce qu'effectivement, eux-mêmes s'interrogent et ont beaucoup évolué. Il faut déjà le souligner avant même que la question devienne un sujet politique. Ce que je voudrais dire en deuxième lieu, c'est qu'il faut se méfier des effets d'annonce. Et en matière de précaution, c'est vrai dans ce domaine-là, c'est vrai aussi sur la santé, je crois qu'aujourd'hui, parfois, on a tendance à jeter dans la mare un certain nombre de sujets qui, du coup, deviennent extrêmement polémiques et sources de tensions et qu'il faut être très prudent. Et la troisième chose que je voudrais dire sur la question précise du glyphosate, c'est que je crois que la position de la France est sage sur deux plans. Elle est sage parce qu'elle interroge l'Union européenne et qu'il n'est pas question que la décision qui serait franco-française soit différente de celle des pays qui nous environnent, parce que sinon on courait le risque d'interdire, nous, une substance qui continuerait d'être utilisée chez nos voisins et qui donc créerait une rupture de compétitivité entre nos agriculteurs et les agriculteurs des autres pays. Ça s'est déjà vu pour d'autres substances il y a quelques années. Et elle est sage aussi parce qu'elle prévoit de s'étaler dans le temps. Il faut qu'on ait la possibilité, que nos agriculteurs aient la possibilité de trouver des mécanismes de substitution. Pour rappel, la France demande donc une prolongation du glyphosate pour 4 ans. La Commission européenne, elle, veut un renouvellement pour 5 à 7 ans. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que l'Union européenne ait décidé de reporter ce vote qui était prévu aujourd'hui même sur cette question du glyphosate, Paco Rupin? Non, je ne pense pas qu'il faut le regretter. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir un consensus le plus large possible, que les discussions puissent continuer. De toute façon,
Il y a décembre comme délai, et donc voilà, il y a cette négociation, on l'a vu sur d'autres sujets, une volonté de la France de convaincre ses partenaires européens. Je pense qu'en effet que c'est très positif, ça évite, comme vous venez de le dire, des ruptures de compétitivité. Mais voilà, il faut qu'on continue en effet à négocier, et je crois que c'est utile de se donner un peu plus de temps quand il n'y a pas d'accord, de consensus encore trouvé, et faire confiance à ce dialogue. Ce n'est qu'un retard et pas un recul aujourd'hui de la France ou de l'Union européenne sur ces questions. Oui, et puis moi je répète, on est en train de s'orienter vers des décisions qui, à terme, vont modifier les pratiques culturales, nécessitent que les agriculteurs s'y adaptent, aient le temps de s'y adapter, et donc, effectivement, construire du consensus en Europe et construire du consensus en France, c'est absolument nécessaire, et je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. On va poursuivre ensemble avec un autre thème d'actualité, le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous avez commencé le débat dans l'hémicycle hier, et l'une des mesures principales, c'est la suppression du RSI, le régime social des indépendants. La députée Claire Pitola a interpellé le gouvernement justement sur cette suppression de ce régime social. Écoutez la réponse de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. L'ensemble des systèmes d'information qui servent actuellement de support pour la gestion de la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants sera mutualisé dans un groupement d'intérêts économiques associant les caisses nationales du régime général et les caisses héritières du RSI. Ce GIE devra déterminer comment gérer domaine par domaine. Il ne s'agira pas de tout faire comme en 2008 dans un grand Big Bang. Donc comment gérer domaine par domaine l'évolution des systèmes d'information pour arrêter quelles sont les bonnes solutions. Rien ne sera débranché avant que des tests poussés ne soient menés afin de vérifier l'absence totale d'impact pour les assurés. Arnaud Viala, la ministre, est revenue sur les inquiétudes techniques qui entourent cette fin du RSI. Est-ce qu'il était nécessaire aujourd'hui d'abandonner ce dispositif pour faire revenir ces indépendants plutôt vers le régime général ? Moi, je crois en la matière que le problème du RSI n'est pas le fait que les indépendants, les travailleurs indépendants, aient un régime spécial. Ils ont besoin d'avoir un régime spécial car ils ont des métiers spéciaux. Il fallait conserver ce régime. Je pense que la suppression pure et simple du RSI, contrairement à ce que dit Madame la Ministre, est une erreur parce qu'elle est exactement le pendant de sa création ex nihilo en 2008 qui n'a pas été suffisamment pensée et qui a conduit aux écueils qu'on connaît. Et moi, je pense qu'on aurait mieux fait de réformer profondément le RSI. Le problème du RSI n'est pas le fait qu'il y ait un régime pour les indépendants, c'est la façon dont il était administré. Et c'est la façon dont les cotisations étaient recouvrées, dont les prestations étaient servies aux ressortissants de ce régime. Aujourd'hui, on prend une décision que je qualifie de radicale, sans savoir ce qu'il va advenir pour la suite pour ces ressortissants-là. Et je pense qu'on court le risque, un, de les décevoir, et deux, de les entraîner dans une forme de couverture qui ne correspond pas du tout à leur spécificité de métier indépendant. Paco Morupin, vous entendez les arguments d'Arnaud Viala, ce n'était pas le problème du régime en lui-même, mais des conditions techniques qui l'entouraient. Finalement, on aurait pu garder ce régime des indépendants. Il faut discerner ces deux sujets, en fait. Il y a eu un problème de fonctionnement du RSI. J'étais moi-même indépendant, j'ai pu voir en effet que c'est un système qui dysfonctionne largement, qui est très complexe, et qu'il y avait même d'ailleurs une souffrance de la part du personnel du RSI par rapport à ces dysfonctionnements. Et surtout, beaucoup d'indépendants qui avaient de grandes difficultés, se retrouvaient avec des montants à payer d'un coup, enfin vraiment avec des dysfonctionnements majeurs. Donc ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Et c'est pour ça que je pense que la ministre a eu raison de dire qu'il y aura une méthode très précise dans laquelle, dans la transformation du RSI vers le régime général, il faudra être extrêmement vigilant. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un problème technique devienne ensuite un problème politique, comme ça a pu être le cas avec le RSI. Après, pourquoi est-ce qu'on veut, parce que ce n'est pas la seule raison évidemment, pourquoi est-ce qu'on veut supprimer le RSI et le rattacher au régime général ? Parce que nous pensons que l'évolution du travail va faire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont
passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant ou pourquoi pas être sur les deux statuts en même temps. Et le fait de fusionner, ça va permettre de changer de statut beaucoup plus facilement. Une continuité. Ça va permettre une continuité. Alors évidemment, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut absolument que les spécificités des indépendants en termes de taux de cotisation, etc., soient préservées. Mais je pense qu'il y ait qu'un guichet unique pour les cotisations sociales pour tous les actifs, en tout cas indépendants et salariés, sous l'URSSAF, je pense que ça peut être beaucoup plus efficace et permettre un meilleur service à nos concitoyens. Après le projet de loi de finances que vous avez voté hier, taxé de budget des riches, alors priorité au direct, on va revenir dans un instant sur ce débat. Tout de suite, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, est en direct pour nous parler du harcèlement sexuel. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale, avec mes collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale, que l'on puisse agir de la façon la plus claire possible par rapport aux problèmes éventuels de harcèlement contre des collaborateurs et surtout, il faut bien le dire, des collaboratrices de députés. Je ne veux pas qu'on dise que tous les députés sont des harceleurs en puissance. Ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas le cas. Mais on le sait, ce n'est pas forcément facile de témoigner, ce n'est pas forcément facile d'aller porter plainte. Et donc, il existe à l'Assemblée nationale déjà depuis 4 ans, depuis 2013, donc bien avant que des affaires éclatent dans les médias, il existe une personne, une référente qui est à l'écoute des personnes qui s'estiment victimes de harcèlement et elle a déjà eu à accompagner un certain nombre de collaboratrices ou de collaborateurs de députés. Et moi, je souhaite qu'il y ait un soutien pour ensuite actionner une procédure judiciaire. Car ni les services de l'Assemblée nationale, ni encore moins les députés sont là pour faire de la justice. Le travail de la justice est fait par la justice, les enquêtes sont faites par la police, et c'est la meilleure façon pour éviter et que des problèmes restent lettre morte, que des comportements inacceptables restent impunis, et pour éviter aussi d'éventuelles dénonciations calomnieuses qui seraient tout aussi inacceptables. Est-ce que l'Assemblée a déjà eu des signalements de cas de harcèlement ? Est-ce que l'Assemblée a déjà eu à faire des articles 40 pour signaler des cas de harcèlement ? Il y a déjà eu la personne référente au sein des services de l'Assemblée nationale, dont les coordonnées sont fournies à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de députés lorsqu'ils signent leur contrat de travail. Et ça, c'est une nouveauté que j'ai instaurée au début de ce mandat. Eh bien, cette personne a déjà eu à accompagner des collaboratrices et des collaborateurs. Mais c'est fait de soutien parce que, encore une fois, on sait que ce n'est pas facile pour ensuite pouvoir actionner des procédures judiciaires. De même que cela fait partie également des pouvoirs de la déontologue. Par ailleurs, vous savez aussi que lors du vote de la loi de rétablissement de confiance dans l'action publique, qui est intervenue au mois d'août dernier, il a été rajouté le fait qu'un député ou une députée pouvait être condamné à une peine d'inéligibilité, ce qui peut donc mener à la destitution de son mandat en cours de mandat si il ou elle était condamné pour des faits de harcèlement. Non, mais il faut être précis et rigoureux. Ce sont des sujets graves. Si on veut progresser, et on progresse, et moi je suis très heureux qu'il y ait ce qu'on appelle parfois une libération de la parole. Il faut faire attention à ce que dans cette libération de la parole ne se joignent pas évidemment des accusations injustifiées. Et la meilleure façon de le savoir, c'est que la justice fonctionne. Il y a des lois qui ont été votées par notre Assemblée nationale, et donc ces lois doivent être appliquées. Elles ne le sont pas assez jusqu'à présent. D'ailleurs, la ministre Marlène Schiappa agit aussi pour que les lois soient davantage appliquées. Et on va créer d'ailleurs même sans doute demain de nouveaux délits pour le harcèlement de rue, par exemple. Donc ces phénomènes qui touchent toute la société, qui touchent tous les milieux de travail, et donc la politique n'y échappe pas malheureusement, eh bien on doit les prendre au sérieux et donc on ne doit pas se fonder sur des rumeurs, on ne doit pas propager d'ailleurs des rumeurs, mais on doit
établir les faits. Et on doit soutenir les personnes qui s'estiment victimes pour que les faits soient établis et que des condamnations soient prononcées. Si on veut lutter contre l'impunité et le sentiment d'impunité qui a pu exister sur ce sujet grave, eh bien, il faut que des condamnations judiciaires soient prononcées. C'est comme cela qu'on s'entoure de toutes les garanties pour faire progresser le droit et puis tout simplement une vie en société et des relations femmes-hommes qui soient des relations libres, égales, respectueuses. Merci. Et voilà donc pour cette intervention en direct du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, sur la question du harcèlement sexuel suite à cette campagne menée notamment à l'Assemblée nationale avec l'affichage de référents à appeler en cas de situation de harcèlement. Paco Rupin, une réaction à cette décision du président de l'Assemblée nationale? Et nous sommes des élus de la nation et donc nous devons être exemplaires par rapport à ces sujets. Mais je me félicite que ce soit un sujet qui, dans toute la société, aujourd'hui, eh bien, il y a cette espèce de prise de conscience générale. Parce que on a eu tous autour de nous des personnes, des femmes qui ont été victimes de ces harcèlements. Et c'est vrai qu'on est dans une société où il y avait encore beaucoup de tabous sur ces sujets. Après, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça soit non plus la porte ouverte à des dénonciations calomnieuses. Donc il faut qu'on soit très vigilant. Et c'est pour ça que nous sommes un état de droit avec une justice. Et donc c'est à elle de faire tout l'éclairage sur les faits. Mais à nous tous d'être responsables. Et à chaque fois que nous voyons un acte déplacé, à chaque fois que nous voyons quelque chose qui ne se passe pas bien, eh bien maintenant, en effet, il y a cette possibilité d'alerter et c'est extrêmement important. Vous ressentez aujourd'hui, Arnaud Viala, cette prise de conscience générale dans la société sur ces questions? Bien sûr, et je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'aucun rapport ne doit être forcé, et donc il n'y a pas lieu d'avoir de la contrainte, et sous aucune forme. En revanche, ce que je voulais dire à moi, c'est que ici, on fait la loi, on fait les lois, donc ce lieu doit être exemplaire. Les hommes et les femmes qui y travaillent doivent être exemplaires. Mais il n'y a pas lieu non plus de mettre un zoom exagéré sur ce qui se passerait à l'Assemblée nationale plus qu'ailleurs. Je crois qu'on est face à un problème de société qu'il faut traiter, et qu'il faut traiter dans la mesure, comme ça vient d'être dit. On n'ouvre pas la porte non plus à toutes les dénonciations calomnieuses qu'on peut imaginer. Et vous débattrez de ces questions en 2018 avec le projet de loi que présentera Marlène Schiappa. On retourne à notre débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le revenu social des indépendants, le régime social des indépendants, nous l'avons abordé tout à l'heure. Autre mesure phare de ce PLFSS, c'est donc la hausse de la CSG d'1,7 point, Arnaud Viala. Pourquoi êtes-vous opposé à cette hausse de la CSG qui doit tout de même rapporter plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui à l'État et qui doit être en même temps compensée par la suppression des cotisations chômage et maladie? Alors clairement, on est là sur un choix politique, un arbitrage du gouvernement que je ne partage pas. Moi, j'ai su dire, lorsque je partageais des arbitrages qui ont été faits par l'actuelle majorité, je ne partage pas ce choix parce que je pense qu'il impacte les plus fragiles dans notre société. Et si on ne prend qu'un seul exemple, je cite les retraités plutôt modestes qui aujourd'hui sont très lourdement touchés par cette mesure. Et deuxièmement, il impacte de manière très inégale les territoires. Et je m'explique. Le niveau de vie moyen dans les villes, dans les grandes métropoles, est plus élevé qu'il ne l'est dans les territoires davantage ruraux. Et donc les territoires davantage ruraux où par ailleurs le contribuable local est amené à mettre la main au porte-monnaie beaucoup plus fréquemment pour avoir accès à un certain nombre de services vont être plus durement touchés. Donc moi je ne partage pas ce choix, je pense que c'est une erreur. J'étais partisan d'une autre option pour restaurer un équilibre budgétaire et aussi donner un ballon d'oxygène à l'État dans l'exercice de ses missions qui était une augmentation mesurée de la TVA. Et je reste sur cette option parce que je pense qu'elle était beaucoup plus juste. Vous entendez ces inquiétudes pour le pouvoir d'achat des Français, Paco Rupin? On redonne du pouvoir d'achat aux Français, alors de manière différente, que ce soit des actifs dans lesquels nous avons un package global fiscal qui permet de redonner du pouvoir d'achat, surtout d'ailleurs aux personnes qui sont justement les plus modestes. On sait bien que la hausse de la TVA, le problème de la hausse de la TVA, c'est que ça impacte tout le monde, de manière indifférenciée.
Alors même que là, aujourd'hui, l'effort que nous demandons, c'est aux 40% des retraités les plus aisés. Parce qu'avec la baisse de la taxe d'habitation, enfin l'exonération pour une grande partie de nos concitoyens, eh bien, nous allons avoir, grâce à ça, un dispositif global qui permet à chacun de regagner du pouvoir d'achat. Et je pense que c'est important aujourd'hui que cette solidarité, qui avait été d'ailleurs présentée par le président de la République dès décembre dernier, hein, donc il n'y a en effet rien de nouveau, il a été élu sur ce dispositif-là, et qui permet de redonner du pouvoir d'achat aujourd'hui aux actifs les plus modestes, eh bien, je pense que c'est une mesure d'égalité sociale, de justice sociale qui est importante. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce ne sera pas les retraités les plus modestes qui seront touchés en termes de pouvoir d'achat sur ce sujet. Je vous voyais réagir à la taxe d'habitation, Arnaud Viala. Je réagis parce qu'en fait, il ne faut pas donner à penser que ces effets vont être concomitants. Ils ne le sont pas. Pour le retraité touché par la hausse de la CSG, la hausse de la CSG, elle est immédiate. Dès le vote du PLF, la hausse de la CSG intervient. En revanche, l'augmentation, la revalorisation des retraites, vous avez décidé de la retarder. Donc elle n'intervient pas maintenant, elle interviendra dans 3 mois, dans 6 mois. La baisse, la suppression de la taxe d'habitation avait été annoncée par le candidat Macron comme immédiate. En fait, va prendre 3 ans, puisque ça va être un tiers tous les ans pendant 3 ans pour arriver in fine à la suppression totale. Et qui plus est, moi je suis encore saisi, et je suis saisi tous les jours, de cas qui vont échapper à cette suppression et qui posent un véritable problème. On vous a cité d'ailleurs, y compris dans l'hémicycle, en n'obtenant que des réponses très insatisfaisantes, le cas des retraités qui sont actuellement en établissement, en EHPAD, en maison de retraite, qui ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, qui donc ne seront pas assujettis au dégrèvement de taxe d'habitation et qui en revanche vont être impactés de plein fouet par la hausse de la CSG. C'est un exemple parmi d'autres. Mais je crois vraiment que la mesure n'est pas suffisamment réfléchie et qu'elle va toucher certains de nos concitoyens qui ont absolument besoin qu'on maintienne leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat. Est-ce un impôt injuste, finalement, comme dénoncé par l'opposition, pas comme Rupin ? Qu'est-ce qu'il y a un impôt injuste ? Cette hausse de la CSG d'1,7 point. Mais est-ce que c'est la CSG qui est injuste ou est-ce que c'est la hausse de l'impôt qui est injuste ? C'est l'opposition qui dénonce cette hausse d'un impôt injuste. Ah d'accord, donc, mais pour moi la CSG n'est pas un impôt injuste, au contraire. C'est un impôt qui permet justement de répartir les grands risques de la vie, la maladie, le chômage, sur toute la population, au lieu simplement de la faire peser sur les travailleurs et sur les actifs. Donc, moi, pour moi, c'est plutôt un impôt juste, et d'ailleurs davantage juste, encore une fois, que la TVA. Donc, non, au contraire, nous, on utilise cet impôt-là, qui est moins injuste que la TVA, pour pouvoir faire de la redistribution et de la solidarité entre nos générations. Et les débats se poursuivront dans l'hémicycle. Merci à vous, merci à Arnaud Viala, Paco Rupin d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de Questions d'actualité. Très bel après-midi à tous. Merci beaucoup.